Installé il y a 23 ans, Denis Esmieux est la troisième génération sur cette exploitation. Chaque jour, cet éleveur s'occupe de ses 2000 brebis et 60 vaches vosgiennes. Un métier passion, sauf quand il doit gérer l'administratif. Une obligation que lui impose le gouvernement pour le suivi des bêtes. Pour traiter, attraper un agneau qui a un problème, le traiter, il y en a pour une minute. Pour remplir le tableau, il y en a pour 3-4 minutes par ligne. Si je traite 5-6 agneaux chaque matin, il me faut une demi-heure pour relever les numéros, voilà. Numéro de l'animal, quel médicament est utilisé? Les critères sont nombreux. Un poids administratif qui s'ajoute aux 70 heures par semaine pour environ 1400 euros par mois. À un moment, là, on explose parce que ça suffit, quoi. Ça suffit. Il y a un ras-le-bol de toute cette administration permanente, cette justification, cette peur toujours d'être pris en défaut, des contrôles-sanctions. Donc ça suffit, quoi. Ça suffit. Présent sur les blocages, les annonces du gouvernement en faveur des agriculteurs restent illusoires pour cet éleveur. Il attend des mesures concrètes. Ça fait 30 ans que des promesses, il y en a eu, des grands discours, des grandes promesses, il y en a eu. Et en fait, on s'aperçoit que la mise en œuvre est toujours très compliquée. Elle se solde souvent par une norme supplémentaire, une contrainte supplémentaire. Comme d'autres agriculteurs, Denis Esmieux compte maintenir la pression dans les semaines à venir.